Good morgen, Aleïdan et les tutres aujourd'hui, le Lunishmat, Mourir Bishmol, Ben Shlomo Zalman, Shlomo Ben Yamin, Ben Mazal, ainsi que l'Irfot, Sarah Bat Beti Rivka, Repel Zvolun Ben Chayamalia, Myriam Ben Chassida, Bat Chassida, et Dov Ben Yehudit, Betor Chapol Israël. Si vous souhaitez aussi vous aider, une prochaine étude de Demi Chah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet, Choulin, Perek, Gimel, Mishnah Zain. Ubach Agavim, Kol Sheyeshlo, Arba Raglaim, Ve Arba Knafaim, Ve Karzulaim, Ve Knafav, Chofin et Rubo. Rabbi Yossi Omer, Ushmo Chagav, Ubadagim, Kol Sheshlo Snapir, Vekaskeset. Rabbi Yuda Omer, Shnei Kaskasin, Usnapir Echad. Veluen Kaskasin, Akevuin Bo, Usnapirin, Aporeach Bahen. Depuis la mission précédente, on a commencé à expliciter les signes distinctifs des animaux kachers. On a parlé des poulets, on avait expliqué que dans la Torah, c'est explicite pour les. C'est explicite pour les animaux, pour les mammifères qui ruminent et les sabots fendus. Et pour les poulets, on avait expliqué que la Torah elle a juste donné une liste, mais elle n'a pas donné de signes distinctifs, tandis qu'on les tient par transmission. On avait expliqué les signes dans la Mishnah précédente. À présent, dans notre Mishnah, on va s'occuper des sauterelles et des poissons. Il faut savoir que les sauterelles, c'est cachère selon la Torah. On a juste perdu la transmission. La tradition, comment manger, comment ne pas manger. Donc du coup, le chandron prédit, dès qu'on n'a plus de transmission, de tradition nette, on ne les mange plus. À ce qui paraît, il y a des communautés du Yémen qui les mangent encore, à notre époque. En tout cas, nous, on va juste apprendre les signes distinctifs pour désigner qui est cachère ou non. Et on a Uba Chagavim. Et pour les sauterelles, Kol Sheyeshlo, retenez les signes, Arba Aglaim, 4 pattes, Verba Knafaim, 4 ailes, Vekarsulaim. Alors Karsulaim, on a l'habitude de traduire le Karsul, c'est les chevilles. Mais là, c'est pas du tout le cas pour les sauterelles. C'est les pattes qui lui permettent de sauter. En mot français, ça se dit des pattes saltatrices. On fait des saltos avec. Donc des pattes 4 et des pattes saltatrices qui sont près du cou. Uknafav, Chofin, et Rubo. Et que les ailes recouvrent la majorité du corps. Elles sont assez longues pour couvrir le corps. D'accord ? Regardez sauterelle dans la page Wikipédia, vous allez trouver plein de sortes de sauterelles. Essayez de vous faire la main pour désigner est-ce que probablement c'est celle qui est cachère ou c'est celle qui n'est pas cachère. Avec encore une précision, Rabbi Yossi Omer, Ushmo Chagav. Son nom doit être aussi appelé Chagav. Dans la langue où on parle, ça s'appelle une sauterelle et pas autre chose. Parce que vous allez pouvoir avoir des criquets par exemple, qui peuvent ressembler aux sauterelles, je crois même qu'ils sautent les criquets, mais qui n'appartiennent, ils ne s'appellent plus des sauterelles. Donc même si vous allez trouver un super criquet en Australie ou où vous voulez, qui a des pattes, qui a tous les signes distinctifs, mais qui ne s'appelle pas un chagav, d'après Rabbi Yossi, c'est pas celui-là. On reprend les quatre signes. Retenez-les bien, si ça va vous prendre, ça va vous prendre de manger une sauterelle. Je ne sais pas à quel moment la transmission s'est arrêtée. J'ai vu qu'à Yerushalayim, quand il y avait, à l'époque, encore une centaine d'années, 150 ans, il y avait encore des épidémies de sauterelles. C'était une catastrophe, vous savez bien que c'était des ravages que ça faisait. Et il me semble que j'avais vu dans l'article religieux qui nous racontait que les gens partent ensuite, quand même. Tant bien que mal, ils ont mangé tous les légumes, au moins qu'ils aient la viande des sauterelles, quoi. Donc ils allaient ramasser les sauterelles pour les manger, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas fait d'historique pour savoir comment ça s'est passé, à quel moment la transmission s'est arrêtée. En tout cas, on prend les quatre signes. Donc il y a quatre pattes, comme tous les insectes ont tous, en fait, six pattes, en général. Et les hexapodes, ça s'appelle, je crois. Et donc il y a quatre pattes avec lesquelles elles marchent. Et à part ça, quatre pattes, le Barthénois nous précise, qui sortent près du cou. Elle sort par devant, en fait, c'est des pattes saltatrices, les deux grosses pattes comme ça, avec lesquelles elle prend son menant et elle saute. Ok ? À part ça, il faut qu'elle ait aussi 4 ailes. Tous les insectes ont en général 4 ailes. Et que les ailes que recouvrent la majorité du corps, qu'elles ne soient pas trop courtes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe si elles sont de côté, mais qu'elles ne recouvrent pas le corps. J'imagine que c'est aussi défendu. D'accord ? Et avec donc le signe de Rabbi Yossi. On a fini pour la sauterelle. Et maintenant on passe au badagim et les signes distinctifs pour permettre la consommation des poissons. Kol sheyesh lo snapir vekaskeset. Tout poisson qui a une nageoire et une écaille. Et j'insiste à dire une écaille et pas des écailles. Parce que Rabbi Yehuda Omer, shnei kaskasin ou snapir echad. Rabbi Yehuda, lui, il requiert qu'il y ait deux écailles et une nageoire. Ve'elouhen, kaskasin, et voici ce qu'on appelle un kaskasin, et on va expliquer la nécessité de cet ajout. Hakevu inbo, ce qui est fixe en elle. Ou snapirin, et les snapirin, les nageoires. Aporeach bahen, c'est celle qui lui sert. Alors le mot poreach, il m'a fait un peu sourire quand je l'ai lu. Poreach, ça veut dire celle qui lui permet de planer.
dans l'eau, on ne plane pas, on flotte, on nage. En tout cas, le partenaire donc nous précise, c'est Shat Bain al-Pnamaim, c'est celle qui lui permet de nager. D'accord ? Donc, on reprend d'abord. Premièrement, donc il y a ce qu'on appelle, la Mishnah en fait nous précise, après c'est quoi une écaille ? Une écaille, c'est ce qui est fixe dedans. Et une nageoire, c'est ce qui lui permet de nager, de se déplacer. À exclure, pourquoi, quelle était la nécessité de préciser qu'une écaille, elle est fixe ? Deux interprétations. Tout d'abord, celle qui est voix beau, parce qu'on aurait pu croire. Imaginez que vous allez trouver un poisson dans les mers asiatiques, que, en fait, il a plein de petites nageoires. Peut-être qu'on pourrait les considérer comme des écailles. C'est des écailles ou c'est des nageoires ? Alors, sur ça, le partenaire de la Mishnah vient, celle qui est fixe dessus, qui est collée au corps, pas qui se décolle, qui bouge pendant qu'il flotte, eh bien, ça s'appelle une écaille. Mais dès que ça va bouger un petit peu, c'est plus une écaille. C'est plus défini comme une écaille, ce sera défini comme une nageoire. Ou comme autre chose que vous voulez. Mais en tout cas, pas une écaille, donc le poisson ne sera pas caché. Premièrement. Deuxième précision maintenant. Ah, le Rabbi Kivegi rapporte ici au nom du Rambam. Autre chose. Il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse, avec un couteau ou avec la main, le faire tomber. À exclure, si jamais vous allez devoir y aller fortement, imaginez un poisson un peu grossier comme ça, où il y a quelque chose, des choses qui ont une forme d'écaille, mais que, en fait, si vous le arrachez, vous le faites saigner, comme s'ils étaient, en fait, c'était un bout de sa chair, et il a juste une peau grosse et grossière, comme ça, eh bien, ça, c'est pas défini comme une écaille. Eh bien, le Rambam l'explique. Il faut, le chant du Rambam, c'est comme ça, « Advuka bechol gufa ». Bon, je ne sais pas si ça peut nous aider beaucoup, en tout cas, de décortiquer les mots, mais en tout cas, imaginez un poisson comme ça, un peu, où il y a des sortes d'écailles comme ça, mais très grossières, où on ne réussit pas à les arracher. Sinon, vous lui arrachez un bout du corps, comme si vous allez lui décortiquer un doigt entier. Eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas défini comme une écaille. Il faut nécessairement quelque chose qui s'enlève. Deuxième précision. Troisième précision qui est rapportée cette fois-ci dans le Bar Tanoura. Donc, on a vu une marloquette. Est-ce qu'il faut qu'il y ait au moins deux écailles, ou même une écaille suffit ? Une écaille et même une petite nageoire, une sur la tête, et une petite écaille quelque part. Et même mieux que ça. Il précise le Bar Tanoura, c'est dans la Gemara, même si c'est une écaille qui n'est pas depuis sa naissance, le poisson, une fois qu'il va passer quelques semaines ou quelques mois, il va avoir une petite écaille qui va lui pousser, ça suffit pour dire qu'il a une écaille. Ou il y a encore une deuxième sorte, une sorte d'écaille, cette fois-ci, que dès qu'on sort le poisson de l'eau par exemple, l'écaille tombe toute seule. Est-ce que c'est défini comme une écaille ? C'est effectivement défini comme une écaille et ça suffit pour que ce soit cachère. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Selah.